C'est l'heure de votre cours de... Mathématique. Tous les mercredis de 15h à 16h, éclate-toi avec Matt, Gaëtan, Yannick et Frances sur VL. Salut les amis, très content de vous retrouver sur VL. Voilà, c'est votre nouveau rendez-vous, yeah. Mathématique, tous les mercredis de 15h à 16h. Je m'appelle Matt, je sais pas si vous me connaissez de YouTube, Matt Podcast. Voilà, bah on débarque à la maison sur VL. J'ai une équipe de dingue, vous allez voir, vous allez être hyper attachés par ces gars-là et cette femme-là. Et on va commencer. Ah non, mais je vous dis, vous allez nous prendre pour vos poteaux et c'est bien, vous avez bien raison parce qu'on est vos poteaux, même si on se connaît pas encore. Je vous présente Frances qui est avec nous tous les mercredis. Ça va, Frances? Oui, ça va très bien. Et bah, on est content. Elle a un accent, ah ouais, c'est un peu dingue. C'est-à-dire que là, vous avez vu, j'ai bugué, c'est-à-dire que sa voix est juste envoûtante. Vous allez tomber amoureux d'elle. T'es mexicaine-américaine, c'est ça? Oui. Voilà, t'as 24 ans. Oui. Et t'es mariée. J'étais obligé de le dire. Ça, il voulait le placer avant le début de l'émission. Il a dit, les gars, je vous le dis, elle est mariée. J'étais obligé. Sinon, sur Twitter, les gens, ils vont tous se déchaîner. Oh là là, Frances, elle est trop jolie et tout. Eh ben non, elle est prise, les amis. Il y a Gaëtan aussi qui est avec nous tous les mercredis. Yes, ça va, Gaëtan? Top la forme. Bah ouais, franchement, je suis au taquet pour cette nouvelle émission. Ça va être génial. Ouais, bon, franchement, on est là pour kiffer avec vous, on est trop content. Il y a Yannick aussi qui est là. Ah bah oui, salut tout le monde, je suis hyper content. Il est pas marié. Non. Il est pas marié. Ah, tu vois, Frances, ça y est, ça commence, vous savez qu'on allait bien s'entendre, ouais. Non, mais surtout, ce qui est dingue, Matt, c'est que j'ai mis une chemise pour l'occasion et tout. Alors, c'est vrai que j'abuse un peu, alors, parce que je vais être très honnête, Matt. C'est que c'est ta chemise. Mais je sais que c'est ma chemise. Si tu viens de dire, c'est une chemise en fait que t'avais laissée chez moi il y a au moins, mais oui, 2 ans. Mais ah c'est ouais. Ça. Elle ne m'a bien, hein. Bah merci, mais elle ne m'allait pas parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 mois en arrière, j'avais 60 kilos en plus, donc même pas, oui, c'est ça. Même pas, je passais un bras dans la chemise. Et maintenant, elle me va comme un gant. Et bah c'est génial. Et bah tu sais quoi, je te l'offre. C'est vrai. Cadeau. Mais non. Cadeau de la maison. Ça me fait plaisir. Ah mais alors là, mec, tu sais quoi, je t'embrasse. Allez, on fait la petite bise qui va bien. Les amis, bougez pas. Dans quelques instants, on va parler d'un sujet qui fâche un peu, les révisions. Mais bon, tout le monde est un peu dedans en ce moment. Voilà, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que, à ce qui paraît, un élève sur deux révise ses examens, leur examen, au dernier moment. Ah ouais. Ah ça, moi c'était ma spécialité. Ouais, aussi. Moi, pareil, ça m'étonne vraiment pas. On en parle dans quelques instants sur VL. Allez là, bienvenue sur VL les amis. Je m'appelle Matt, on est avec vous à partir d'aujourd'hui. Oui. Ouais, mais je suis en Bretagne, j'adore les huîtres les amis. Je connaissais pas cet accent breton. Non, je voulais faire un jeu de mots avec les huîtres, mais bon, mais jeu de mots les amis, vous allez découvrir, c'est de la merde. Y'a Gaëtan qui est avec nous. Yes. Frances. Yeah. Yannick. Aujourd'hui. Ah, dans quelques instants les amis, on va jouer au jeu du menteur. Le jeu est très simple, on va chacun vous raconter une anecdote folle qui nous est arrivée ou pas. Et vous allez devoir deviner d'ailleurs avec quelqu'un aussi au téléphone si elle est vraie ou si elle est fausse. Tout simplement, c'est le jeu un peu phare de l'émission, on a envie de vous le faire découvrir. Donc c'est notre première émission, ouais, regarde, c'est le jeu phare. C'est ça, je vais tout dire, c'est qu'en gros on l'a déjà testé sur ma chaîne YouTube et on s'est bien marré. Donc vous inquiétez pas, il y a de la rigolade de prévu les amis. Vous pouvez d'ailleurs aussi réagir sur Twitter les amis, on a envie de lire vos tweets, on a envie d'interagir avec vous. Alors le sujet c'est très simple. Pareil, il y a une personne sur, d'après un sondage, il y a une personne sur deux qui révise leurs examens une semaine avant l'examen, quoi. Au dernier moment, donc. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a Valentin au téléphone, excusez-moi. Valentin ? Salut Matt, salut toute l'équipe ! Ça va frérot, quoi ? Bah comment vous allez, vous ? Eh ben on est trop content de t'avoir au téléphone, t'es notre premier auditeur, le premier auditeur de Mathématique. Ah ça c'est cool ça. C'est bon ça. C'est bon ça ou quoi? Il a la force. Je suis en train de dire justement à nos amis qui nous écoutent qu'il y a une personne sur deux qui révise leurs examens une semaine avant les examens. Voilà, c'est au dernier moment, quoi. Au dernier moment. C'est un truc de... Moi je vous dis, ça m'est arrivé. Toi Valentin, explique-nous un peu ton histoire. Alors moi j'avais une petite méthode, tu vois, pour réviser. J'avais inventé, c'est pas une invention, mais c'était des soirées révision, tu vois. Ouais, soirées révision, qu'est-ce que c'est? Ouais, genre j'invitais des potes et on révisait tous ensemble, on faisait des exos, enfin un truc comme ça, quoi. Ouais. Ah ouais, non mais ça devait partir en soirée tout le temps, quoi, tout simplement. Bah voilà, et le problème c'était qu'il y avait des potes qui ramenaient de la bière, des potes qui ramenaient des biscuits apéro, et finalement ça partait en soirée normale, quoi. Mais c'est trop bien, ouais, j'aurais trop kiffé t'avoir en pote, mec. Bon, on est d'accord qu'en 2 secondes, il a fracassé son concept qui est soirée-révision. Il a que juste gardé soirée-révision. Ouais, c'est clair, mais c'est bon plan pour les parents. Tu dis, je vais en soirée-révision, au final, tu fais soirée. C'est trop bien, mais moi, mes parents, ils les auraient rusés comme ça tout le temps si tu m'avais donné cette technique. Toi, Gaëtan, t'as une technique pour réviser? T'as eu ton bac ou pas? Moi, j'ai eu mon bac. Ah oui, et toi, Valentin, t'as eu ton bac?
J'ai eu mon bac. Ah, on peut l'applaudir quand même. Bah, on peut l'applaudir. Très bonne question, française. Mine de rien, ça a fonctionné. Même si on a gardé le concept de soirée. Ouais, que c'est grâce à ça. Est-ce que toi, t'as une technique, Gaëtan, ouais, pour réviser? Moi, j'avais une technique. Alors, moi, je suis un petit peu flemmard. Hein. Alors, la technique que j'avais, je prenais mon téléphone, j'enregistrais le cours sur le dictaphone. Ouais. Et une fois dans mon lit, le soir, je mettais mes écouteurs et j'écoutais tranquille, tu vois. Pour essayer d'assimiler le cours et le rentrer dans ma tête. Vraiment flemmard, mais franchement, pour le coup, ça marche parce que j'ai eu aussi mon bac. Ah ouais, bravo. On peut encore l'applaudir. On va pas applaudir toutes les personnes. Je prends pour le bac parce là, que sinon on y sera jusqu'à demain. Toi Yannick, t'as une technique aussi ou pas? Alors moi j'ai une technique et justement ma technique en fait j'ai l'impression qu'elle a été plagiée, enfin a été reprise par une application. Alors j'ai rien dit mais c'est une technique hyper simple. En gros c'est tu chantes tes cours. T'apprends tes cours en chanson. Ah mais ouais, j'ai vu, hein. C'est numéro 1 en mais ce oui, moment. C'est ce numéro 1, cette application elle cartonne. Alors bien sûr, moi j'ai eu mon bac il y a des années maintenant. Le daron. C'est ça, cette application n'existait pas. Et en fait, tu chantes tes cours. Moi c'est ce que je faisais, genre mes cours de géographie. Tu nous fais une petite démo là vite fait. Oui, 1515, bataille de Marignan. Ah, et voilà. Après, ah ouais voilà. Mais tu chantes bien, hein. Tu peux pas de la gueule, s'il te plaît. C'est déjà assez dur comme ça. Française, toi t'as une petite technique aussi. Oui, ma technique c'est un peu bizarre, mais tu prends des petits titres. Time, tu vois, des petits tea time. Ouais, c'est des tu bois du thé, c'est ça? Tu bois du thé de chaque 5 en fait, tu prends 5 minutes chaque heure. D'accord. Et apparemment, c'est prouvé que c'est très très bien pour. Vous voyez, la petite femme modèle. Et tu prends 10 kilos par semaine de révision. C'est le tea time. Ton bac, mais 50 kilos en plus. À toi de choisir, c'est toi qui décides, c'est toi qui grossis. Valentin, tu penses quoi de technique, toi? T'aimes bien les techniques de l'équipe? Il y a des bonnes techniques, après il y a des moins bonnes techniques, mais bon, rester tout seul dans ta chambre, c'est un peu ridicule quoi. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi, la meilleure technique c'est la tienne mon gars. En tout cas, sur Twitter, il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment bien la technique de Frances et j'ai l'impression que c'est que des femmes. Donc, Attends, il faut prendre des pauses. Mais oui, t'as raison. Frances, c'est la force tranquille, voilà, elle est posée, tranquille comme ça, on prend des pauses. T'as ton bac la première année, tant mieux, tu l'as pas, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci beaucoup Valentin de nous avoir appelé. On était vraiment très touchés de t'avoir. T'es notre premier auditeur, mon ami. Avec plaisir, bisous la clique. Salut, Pedro. Hey, dans quelques instants, c'est le jeu du menteur, les amis. Bougez pas. Allez là, c'était Purple Disco Machine. J'ai une question, Matt. Est-ce que tu vas nous faire des allez là, allez bah. Je suis trop content, les amis. Vous pouvez pas casser ma joie comme ça. Non, là. Mais, on va pas casser ta joie, mais par contre, on va faire des petites réunions après l'émission. Parce que des allez là, toutes les deux minutes. Je vais me faire engueuler, les gars. Voilà. Est-ce que ça vous gêne, vous, sur Twitter? Dites-nous en oui, tout cas. Oui, avec hashtag... voilà. Oula, malheureux. Ça s'arrête plus. Avec le hashtag Matt et Maclick, vous pouvez nous écrire, bien sûr, les amis. Dans quelques instants, on va jouer au. Enfin, on a une séquence qui s'appelle le dos de la semaine. Ouais. C'est-à-dire que, comme tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, bah, on a des dossiers l'un sur l'autre, voilà. Et, alors. Il se trouve que là, je sais pas sur qui c'est, donc je suppose que c'est sur WAM. Alors, ce que je peux vous dire, les gars, c'est que c'est moi qui ai un 2 sur quelqu'un. Ouais. D'accord. Et donc, bah voilà, bah on découvrira ça tous ensemble. Tous ensemble après. Un 2, c'est un dossier, Frances. Un gros dossier. On a l'un d'entre vous au téléphone, normalement. Allô? Ouais, salut Matt, salut tout le monde. Salut poteau, comment tu vas? Très bien, vous les gars? Tu t'appelles Eric, c'est ça? 25 ans? Ouais, c'est ça. Je crois que t'es le plus vieux auditeur qu'on a eu pour l'instant. Eh ben on en a eu que deux. C'est bon ça. Je te présente Frances. Hello. Gaëtan. Yes. Yannick. Salut. Et moi, du coup, bah, je m'appelle Matt. Hein. Aujourd'hui, tout de suite, là, on se fait un petit jeu du menteur. Je sais pas si tu connais les règles, je vais vous les expliquer. Hein, c'est très simple. En gros, on va chacun donner une affirmation, donc une anecdote. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Tu essayes de deviner, tout simplement. On va dire que si tu en trouves deux, c'est-à-dire que si tu as deux bonnes réponses, tu as gagné. Malheureusement, là, on n'a pas beaucoup de budget, donc pour l'instant, t'as gagné des applauses et puis un câlin virtuel. Et t'as aussi gagné le droit de passer une dédicace. Ouais, bien sûr, et une petite dédicace, quoi. Et puis voilà, et puis vous aussi, vous pouvez évidemment jouer sur le hashtag Mathémaclick, les amis. Alors, j'aimerais bien qu'on commence par Frances. Allez, c'est parti. Ok. Donc, une fois, j'étais dans la douche. Et je prenais une douche. Je prenais une douche. Jusqu'à là, et c'est voilà, tout normal. Je me lavais normalement. Et il y avait, tu sais, le truc like the shower head. Oh, j'adore. Le truc en haut. La pomme de douche. Oui, la pomme. Ouais, ouais. Ça a tombé sur mon nez. Ah. Et ça m'a cassé le nez. Non. Mais j'adore cette fille. J'adore cette fille sans rigoler. C'est génial. Voilà, c'est tout. Alors, Eric, tu penses que c'est vrai ou faux? Ah bah alors qu'elle prenait sa douche et bon qu'elle se lavait, ouais, je dirais que c'est vrai. Pour le cassage de nez, allez, non, je dirais non. Frances. Ouais, bon, tu m'as eu.
C'est faux. C'est faux. Bravo, Eric. Moi, bravo, j'ai écrit, en tout cas, ça m'a séduit. Hein. Casser mon nez. Ouais. Franchement, je vois là, sur Twitter, les gens t'adorent, Française. Yannick, allez, on écoute ton anecdote. Ah, alors moi, c'est un truc de ouf qui m'est arrivé il y a peu de temps, on va dire il y a une semaine ou deux, je sais plus, parce que le temps passe très vite. Et en fait, c'est un truc de ouf, c'est que j'ai eu 3 dates différents le même jour. Ah ouais. Quoi? 3 dates t'es un avec. Playa, playa. C'est yeah, si t'appelles ça comme ça. En tout cas, j'ai vu 3 filles différentes le même jour. Une genre à 13h, une autre à 15h et une autre j'ai fini la nuit avec. Non, je te jure ça. T'as fini la nuit avec. Ouais. Ah, donc t'as pêché. Oh là, mais c'est il y a combien de temps? Et j'ai pêché les 3, c'est ça un truc de dingue. C'est il y a combien de temps? C'est il y a une ou 2 semaines. Quoi? What? Ouais, tu jures? Bah. Ah oui, c'est un jeu du menteur. Eric, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, clairement, c'est un beau gosse, je suis sûr que oui. Ah là là. Yannick, ah, si tu dis que c'est faux, c'est chaud pour moi. Alors, c'est faux, mais... Ah, voilà. Non, c'était faux, c'était une fausse anecdote. Ce qui est vrai, c'est que j'ai eu 2 dates le même jour à 2 heures d'intervalle. Et bon, j'ai pécho les 2 meufs, donc c'était faux. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ah, tu vas me raconter ça après, hein. J'étais pas au courant. Oh là là. Gaëtan, c'est quoi ton anecdote? Bon, alors, moi, bravo c'est... déjà, Eric. Moi, c'est une révélation. Vraiment, ah non, il a faux, pardon. Oui. Excuse-moi. Excuse-moi, Gaëtan. C'est une révélation, je vous l'ai jamais dit, mais j'ai une relation de 6 mois avec un mec. Gaëtan ? Ouais. Non, vraiment. Non, attends. Non, vraiment. Alors là, je suis sur le cul. Non, non, mais je sais pas du tout. Relation comment ? Bah, une relation quoi. Amoureuse ? Ouais, plus ou moins. Ah, c'est un truc de dingue si c'est quoi vrai. Quoi ? Ouais. Non, mais c'est bien. Non, en bravo. Plus, c'est pas, je le vois dans son regard, j'ai l'impression que c'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, Eric ? Non, je dirais que c'est faux. Ouais, non, c'est faux quand même. Ah, ah bravo! Mais en tout cas, ouais. Si c'était vrai, ça aurait été cool. Ah ouais, génial. Je vous fais la mienne. Ah, Matt. Alors, faut savoir que Matt part toujours dans des délires. L'autre fois, il nous a dit quoi? Mon père est milliardaire. Mec, Matt, je te connais depuis des années. Milliardaire, j'aurais su quand même. Alors, écoute ça, Eric. En gros, pour ceux qui ouais. écoutent la radio et qui savent pas, je suis youtubeur. Donc, des fois, on me reconnaît un peu dans la rue et tout. C'est marrant. Sauf que là, un truc improbable. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Sauf que c'était une mamie d'à peu près 75 ans, 80 ans. Elle avait pas de smartphone, donc elle m'a pas demandé de selfie ou quoi. Elle m'a demandé de dédicacer un vieil agenda, mais genre, franchement, il devait dater de. Enfin, des années. De la guerre, tu vois. Des années. De 45, je dirais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un truc de dingue. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Eric? Est-ce qu'il y a une mamie qui regarde mes vidéos? Non, franchement, je dirais non, mais c'est pas non. Ouais, mais t'as raison, c'est faux. Mais en tout cas, hey, on peut faire un grand applause ouais. parce que bah, t'as gagné. Et en fait, ce qui est bien avec Matt, c'est qu'il veut que tout le monde gagne, sauf qu'Eric s'est planté totalement. Mais c'est pas vrai. Il en a trouvé 2. Non. Mais si, il, ah c'est oui, bon. Il a trouvé la mienne. Pardon, c'est moi qui suis à côté. Hey, Yannick, hey, réveille-toi, poteau. Il s'est endormi dans le Uber tout à l'heure, il m'a dit. Eh bah, ben, réveille-toi. Bon, bravo, Eric. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On est vraiment très touché. Et puis, ben, si tu veux faire une dédicace, t'as gagné ta dédicace. On t'écoute. T'es pas obligé. Hein. Mais franchement, la dédicace, c'est à vous. Vous êtes les meilleurs. Donc, franchement, ben, et ben, pour ce que vous faites, voilà, au top. Ben, merci à toi, mon ami. Dans moins de 2 minutes, les amis, on se retrouve avec le dose de la semaine. C'est Yannick qui l'a préparé cette semaine. franchement, j'ai peur. J'ai l'impression que c'est pas rassuré non plus. Hein. Moi non plus. À tout de suite, les amis. Vous êtes sur VL, les amis. Je m'appelle Matt. Il y a Gaëtan qui est avec moi tous les mercredis 15h à 16h. C'est ça. Frances. Hello. Yannick. Yeah. Et on est très content d'être avec vous. C'est la première. On est chaud. On est tous souriants. On est tout est moustillé. Voilà. La première, patates, quoi. C'est le premier dose. Voilà. Donc tous les mercredis, on va avoir cette séquence. Ça s'appelle le dose de la semaine. Il y aura un dose sur un membre de l'équipe. Et là, je ne le connais pas. Et c'est Yannick qui a le dose. Eh ben oui. Alors on t'écoute. J'ai le dose. Alors c'est un message audio, Matt. Ouais. C'est une copine à toi. Quoi ? C'est quelqu'un que tu connais très bien. C'est elle qui a fait un dos. Qui m'a envoyé ce message. Oh. Parce qu'il faut savoir que Matt. On donne pas les noms, hein, par contre. Hein, on donne pas les noms, mais pas de soucis. Mais il faut savoir que Matt a eu des petites aventures amoureuses comme ça. Et le truc, c'est qu'il. Je suis entendre. Il a fait un truc qu'on ne fait pas normalement, c'est laisser un message dans un état un petit peu second à une de ses ex. Un message vocal. Quoi ? C'est ça, ouais. Un message vocal. Je vous propose d'écouter. Non. Si, c'est parti, écoutez ça. Allô, allô, ici Matt au téléphone. Ça va bien ? Je t'appelle là. Je suis en train de marcher, je pense à toi. Je suis vers Franklin Roosevelt. Enfin, il y a le métro en face. Et j'étais en train de me dire un truc. J'étais en train de me dire, t'es sans doute la première femme de ma vie. Enfin, en tout cas pour moi. Hein. Sans doute pas pour toi, mais pour moi. Mais t'es sans doute pas la dernière, ça aussi. Ça, c'est vrai. Ce que j'étais en train de me dire, je trouvais ça pas mal. Du coup, je vais t'appeler pour te le dire. Tu t'es dormi. Hein. En tout cas, si tu te réveilles, appelle-moi. Moi, je rentre. Bisous.
Oh là là. Oh merde, putain frère. Et faut savoir que quand même, j'ai coupé le message parce qu'il dure 45 secondes. 1 minute 45 le message, donc c'est très très long, Matt. Mais en fait, vous savez, quand on boit, on a les. Enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr, les amis, mais quand on boit, on a nos sentiments qui sont décuplés. Et là, je rentrais de soirée, je marchais sur les Champs-Elysées. Tu fais des excuses là. Bah ouais. Est-ce que ton mari il t'envoie ça, toi, Frances? Mais justement, moi j'aimerais bien avoir un message comme ça, genre ah, t'es la femme de ma vie. Non, voilà. T'es la première mais pas la dernière. Hey. T'es la première mais non, pas par contre, la c'est chaud. Hey, franchement, c'est chaud. Je vais engueuler après. C'est un peu les trucs que tu regrettes après, non? Ouais, c'est ça. Et, ben, et les amis, je pense que ça, exactement, Gaëtan, ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire qu'on envoie tous des trucs qu'on regrette après. Par exemple, toi, Gaëtan, tiens, toi qui as pris la parole, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, bah pour rester dans le même délire, c'est. T'as une ex, t'as envie de lui envoyer un message juste comme ça pour la revoir ou quoi que ce soit. Tu lis 10 fois le message, tu le tournes différemment 5 fois, tu l'envoies et au final tu te prends genre un ok, tu vois. Là tu sais que c'est le message de trop et tu regrettes quoi. Enfin, fallait pas. Tout ouais, simplement. C'est vrai. Fallait pas, c'est une musique. Voilà, on la met de talent. Bah oui, c'est Marwa Maloud. Marwa, comment? Marwa Maloud, non? Oui, c'est ça, t'as dit Marwa Maloud. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les prénoms, je suis plutôt physionomiste moi. Française, toi, c'est quoi ton. T'as un truc ou t'as déjà envoyé un dos comme ça que tu regrettes après? Oui, en fait, une fois, j'ai envoyé une photo. Ouais. Et c'était une photo, tu sais, quand tu fais les têtes un peu, like. Ah, ok, j'ai compris, c'était une photo un peu dénudée. No, it was not at all. Pas sexy. Yeah. Okay. Justement, ça m'aurait étonné de ta part. It was not sexy at all. Y a pas de sous-titres en radio. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils sont dans le caca. Et avec nous, on traduit rien parce qu'on mais comprend rien. Mais c'est trop bien, franchement, okay. Reste comme sexy, tu es, c'est ça qu'on aime. Sexy means sexy in French. Yeah. Ça, j'ai compris. Ok, et non, bah, j'ai envoyé un mec random parce que tu sais sur Messenger tu peux faire send et chaque fois ça change la première personne. D'accord. Ah oui. Et du coup je voulais envoyer à une fille, à une copine, et ça envoyait un mec random comme ça. Il était content ou pas? Moi je serais pas content. T'as envoyé des classes à un mec que tu connaissais pas, quoi. Voilà. Il a cru que c'était peut-être une première approche, tu vois, pour éventuellement voilà quoi. Et toi Yannick? Alors moi ce que je regrette, et franchement je me suis mis dedans de ouf, c'est qu'un PC, un plan cul, hein, vous connaissez tous cette expression, j'ai envoyé un truc qu'il ne faut jamais envoyer à une personne que où tu t'es arrangé pour être que du pour que ça soit que du texte, une phrase très difficile à dire. Je lui ai envoyé je t'aime. Quoi? Ouais. Et quand je lui ai dit je t'aime, elle t'a dit on se voit plus jamais, quoi. Non, pas du tout. Quoi? Elle s'est dit ok, il m'aime, donc ça veut dire que tout est permis. Et du coup je me suis fait michto de A à Z. Mais t'as envoyé ça par texto? Ouais, par texto. Et du coup bah après bah, j'ai payé des nuits d'hôtel. Mais non. C'est moi qui payais des restos. Non mais Yannick, t'es un pigeon mon pote. Et ça a duré 2 ans cette situation. Non. Ah mais je redescendais dans le sud souvent. Pourquoi? Parce que je me faisais michto. Alors on peut avoir le prénom ou pas? Non, on ne dit pas de prénom. Alors est-ce que c'est tu veux qu'on dise le Manuela? Ah, okay, on peut pas dire le prénom du message vocal. Qui a lâché ce message vocal de Matt? Est-ce que je balance le prénom? Non, on peut pas. Ça commence par un L. Voilà, bah ça s'arrête là. Ça finit par un E. Et il y a un OU dedans. Ça fait Louise. Oh putain. Et vous savez qu'elle va me défoncer. Ah bah, mec, t'as déjà, balancé. Déjà, elle m'a balancé. Hé, Louise. Oh. Pardon. Alors, tous ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube, ne soyez pas choqués. Allez, Matt, on passe à la suite. Bah, on passe à la suite. Dans quelques instants, les amis, on joue au qui est-ce. Je vais penser à une personnalité que vous connaissez tous. Et donc, Gaëtan, Frances et Yannick, mais aussi vous, derrière, enfin chez vous, quoi. Vous allez devoir deviner qui c'est. C'est la première de Mathémaclic. Mathémaclic, parce qu'on adore les mathématiques. Et voilà, il fallait que je la fasse. Deux fois, c'était yeah. Non, c'est la première fois, parce que, en fait, je raconte tout. Hein. Okay. C'était l'intro de YouTube tout à l'heure. C'était pas à la radio. Okay. Y a Gaëtan, vous l'avez entendu, il est là. C'est ça. Frances. Hi. Yannick. Salut. Et aujourd'hui, tout de suite, on va se faire un petit qui est-ce. Voilà, je vais penser à une personnalité. Les amis, chacun votre tour, vous allez me poser une question. Vous pouvez jouer, bien sûr, à la maison et sur Twitter, on lit vos messages. On va en lire quelques-uns tout à l'heure d'ailleurs. Donc tweetez à mort avec le hashtag Mathémaclic. Je pense à quelqu'un. Vous me posez chacun à votre tour une question pour essayer de deviner. Voilà, c'est un qui est-ce basique. Hein. Et puis la première personne qui trouve a gagné. J'ai juste une question avant de commencer. tu réponds que par oui ou par non ou on peut te poser des questions? Je vais répondre que par oui ou par non. Et d'accord. Parfois, si je peux donner des petits indices, je vais le faire, quoi. Ok, ça marche. Voilà, je suis sympa, quoi. Tu vois. Allez, c'est parti. Bah, Gaëtan, tu peux commencer. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Allez. Bah, juste hésite. Non, mais on avait dit oui ou non. C'est pour ça. C'est un chanteur? Non, c'est pas un chanteur. Un homme politique? Non. Ah, un animateur télé? Oui. Cadeau. Plus ou moins de 30 ans? Plus. Ok. Frances. Je l'ai. Très marrant. Très marrant? Oui. Je l'ai. Ouais.
Enfin, pour moi, après, tout le rire est subjectif, comme on dit. Je peux te donner une réponse? Ouais, ouais. Cyril Hanouna. Bravo! Ouais! Bah, le jeu, il a duré 2 secondes, quoi! Bah, j'ai un point, on peut continuer. Oh, allez, on continue. Frances, je t'avais demandé peut-être. Est-ce que tu peux penser à quelqu'un ou pas? Je t'avais demandé. Yeah! Eh bah, c'est parti! Sure. Tu nous fais le jeu. Ok. Est-ce que c'est un chanteur? Yes. Yes. Sure. Est-ce qu'il est français? No. Est-ce qu'il vient du Mexique? Pas du tout. Est-ce qu'il est blond? Oui. J'ai la réponse! Ah bon? Oh là là! Justin okay. Bieber. Non. No. Ah, il est blond. T'es sûr qu'on le connaît tous? Ouais. Je suis déçu. Il a quel âge à peu près? Tu peux m'aider un peu? Il est plus âgé. Plus âgé que nous? Yes, like 30, 40 peut-être. Okay. Est-ce qu'il est sorti avec une célébrité il y a pas longtemps? Je sais pas, sûrement, je sais pas. Yes. Oh là là, ça va être dur. Est-ce que c'est Justin Timberlake? Non. Je vais tous les faire. Mais un petit indice. Genre quelle sorte de musique, tu vois? Ouais, quelle sorte de musique? Mais un petit indice. Rap. R&B non-stop. VL. Tu peux aussi manger les mêmes bonbons. Kenny West? Non. Mais non, le frérot, il est blond. Non, son nom, c'est comme les bonbons. M&M's? Ouais. Eminem. Ah, Eminem. Okay. Très très bon. Waouh. Très bon. C'est trop intello pour nous, par contre. C'est ça. Est-ce qu'on a un peu de temps encore pour en faire une autre? Bah ouais, on a du temps. Ok, Gaëtan, t'es chaud pour ça quelqu'un? Ok, je pense. Allez, on y va. Est-ce que c'est à la maison, une actrice? Non. Est-ce que c'est un homme déjà? Ouais. Ok. Frances? Il est beau. Ah oui. Parce que j'ai dit actrice, mais est-ce que c'est un acteur? C'est un acteur. Français? Français. Ah oui, je sais. Okay. Est-ce que ça serait pas notre invité de tout à l'heure? Non. Il est jeune, il a quel âge à peu près? Tu peux nous aider un peu? Il est très jeune. Il est pas vieux, mais il est pas jeune. Kev Adams? Non. Il fait des dramas ou like. Oh, il a comedy. Fait beaucoup de films, et dont un très récompensé. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Oh, oh bravo, yeah. bravo. Yannick, tu veux nous en faire un ou pas? Eh ben ok. Allez, on y va. C'est parti, j'ai ma célébrité. C'est une femme? Non. Ah. Pardon, j'ai bugué. Il a bugué. Vous inquiétez pas, tout va bien. Musicien? Non plus. Non plus. Acteur? Non plus. Je suis pervers, moi, vous savez. Hein. Je vais dans la difficulté. Hein. C'est un Français? Oui, c'est un Français. Présent ici? Pas présent du tout. Politician? Yeah. Ah. Attends, politique, hein. Oui, j'avais compris. Moi, je vais vous le dire. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Non. Macron? Non, mais on se rapproche entre Sarko et Macron, on se rapproche. Ok. Hollande? Non plus. Bonjour. C'est Hollande? Non. Tu vas nous faire toutes tes imitations. Vous savez quoi, la semaine prochaine, on fait un concours d'imitation. Non, mais c'est un peu plus vieux. Ah, que, ok. Que bah, c'est Chirac. C'était Chirac. Ah, ok. Allez. Tu nous fais une imitation de Chirac ou pas? Crac, c'est Jacques Chirac. Génial. Bon, bah, j'espère. Non, dis pas génial. Crac, c'est Jacques Chirac. Quand je dis génial, c'est en mode c'est drôle, quoi. Je suis sûr que les gens ils rigolent. Bon, les amis, vous pouvez bien sûr réagir hein, sur Twitter avec le hashtag Matt et Maclic. On lit ça pendant la pause et puis on vous en lit à l'antenne tout à l'heure. Matt et Maclic, tous les mercredis de 15h à 16h sur VL. On est sur VL, les amis. Je m'appelle Matt. Tous les mercredis de 15h à 16h à partir d'aujourd'hui, c'est Matt et Maclic. Il y a Gaëtan qui est là. Yes. Frances. Hello. Yannick. Ouais. Et on est super content. Premier invité dans Matt et Maclic et on est bien servi. Franchement, on est bien gâté. Il y a Paul Bartel qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Salut. Alors toi, t'es là pour la série Ben qui arrive sur France 2 le 11 avril. Voilà. Le 11 exactement. Avril. La semaine prochaine. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la série? Bah du coup, ouais. C'est une journaliste qui est chercheuse de scoop, qui fait un peu la course avec les flics. Ouais. Il y a plein d'histoires différentes sur sur 6 semaines. D'accord. Et voilà, donc avec des meurtres, des avis de recherche, enfin plein de choses comme ça, quoi. Ok, voilà. C'est sur 6 semaines en prime toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais, sur France 2. Ouais. Quel jour, le 11, c'est Je crois que c'est mercredi. Ok, cool. Ouais, c'est ça. Le 10, c'est un mardi. Donc et Ben, donc, est joué par Barbara Schulz. Ouais. Y a qui d'autre aussi dans le casting? Il y a Samir Ghesmi, Sigrid Boisiz, Axel Dodier. Ok, propre. Enfin, plein. Grave hâte de voir ça, bon Paul. Donc ouais, Yannick. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence quand tu joues dans un film et quand tu joues dans une série? Ou est-ce que ton jeu d'acteur, bon, en fait, au final, bah, c'est le même? Non, je crois que ça va plus vite en télé.
Ouais. Il faut aller plus vite. On n'a pas autant de liberté de temps qu'au cinéma, mais sinon, c'est assez similaire. C'est assez similaire. En même temps, c'est un peu logique parce qu'un film, ça dure une heure et demie, alors que là, t'as 6 heures à tourner, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Mais c'est étalé sur les mêmes choses, hein, je veux dire. C'est... Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et le personnage que tu joues dans Ben, est-ce que c'est celui qui te ressemble le plus au jour d'aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est vrai, parce que par juste, rapport à ce que t'as fait, je précise, t'as joué dans Amis Publics, ouais, dans Les Géants, les Petits Princes. Bah voilà, c'est les films les plus populaires que t'as fait. T'en as fait plein d'autres, mais et du coup, bah voilà, pour ceux qui te connaissent. Pas du tout. Non, je joue un mec qui est en prison, qui sort de prison, complètement marginal. Enfin, non, c'est pas moi du tout. Mais c'était cool à jouer. C'était sympa. C'est vrai que t'as jamais vraiment joué un rôle toi qui te ressemble énormément. Non. Mais j'ai joué souvent les mêmes choses, moi. Hein. Un peu dramatique, ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Et à chaque fois, c'est des rôles un peu durs, je pense. C'est ça, mais ce rôle, on te l'a proposé ou tu fais des castings pour... Alors celui-là, on m'a appelé, c'est aléatoire, soit on t'appelle pour te proposer, soit tu passes en essai. Mais celui-là, le réalisateur m'a appelé, on s'est rencontrés, et puis ça a matché, et puis on est parti. Non, c'est ouf. Ah ouais, propre. Ça donne envie en tout cas. Hein. Ouais. Frances, là, elle te regarde avec des yeux amoureuses. Dis-toi, elle est mariée, elle te regarde comme ça, là, je suis en train de me dire, oh là là, son mari, il peut avoir peur, quoi. You are in love! No, I wanted to ask you, je voulais savoir si tu te mets vraiment dans la peau de l'acteur. Pourquoi on m'a posé une question en anglais? Parce qu'en fait, voilà. Parce que... c'est vrai, on n'a pas vraiment fait les présentations. En fait, Frances, c'est une petite nouvelle qui vient d'intégrer l'équipe, parce que, enfin, comme toute l'équipe, quoi, voilà. Ouais. Et bref. Mais on l'a rencontrée il n'y a pas longtemps, quoi. D'accord. Et elle est super cool. Okay. Et c'est une chanteuse, mais américaine et mexicaine. Ah, d'accord, ok. Voilà. Okay. Donc, du coup, en français, la question, ça donne. Oui, je voulais savoir si tu te mets vraiment dans la peau de l'acteur. Like, do you feel like tu... T'adores, t'es amoureux, frérot. Non, mais ça me fascine, en fait, le changement de langue. C'est trop bien, c'est trop bien. Est-ce que tu sens comme si tu deviens vraiment cette personne, ou est-ce que tu penses que tu mets quand même un barrière pour pas complètement devenir cette personne? Non, je crois pas que je deviens complètement cette personne, mais je crois que d'ailleurs, faut jamais vraiment le devenir, mais ouais, j'essaye de le faire en étant moi. Et comment tu gères? Enfin, des fois c'est difficile ou pas du tout? Ouais, des fois t'as des choses qu'on te demande qui sont pas faciles à faire et tu regrettes même d'avoir accepté parce que t'as plus le choix. Ouais. Mais il faut le faire, et puis voilà, c'est dans la répétition, on recommence, voilà. Non, c'est un truc de dingue. Ouais, on a un auditeur au téléphone avec nous qui s'appelle Gatien et qui a envie de te poser des questions. Je crois qu'il a envie de devenir acteur. Allô Gatien? Salut Matt, salut l'équipe, salut Paul. Salut Gatien. Salut poteau. Alors t'as des questions toi pour Paul? Alors comment tu qualifies ta vie d'acteur? Je sais pas, excuse-moi. On n'a pas entendu. Comment tu qualifies ta vie d'acteur? Comment je la qualifie? Ouais. C'est ça, hein, il me semble. Hein. Mais en fait, on a le journaliste avec nous. Ouais, c'est ça. Hein. Il a préparé ses questions et tout. Le gars, il fait ses interviews pour. Je sais pas vraiment comment la qualifier. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, je suis acteur. Voilà, c'est ça. Je sais pas quoi te répondre. Mais non, mais c'est très cool. C'est très cool? Mais toi, Gatien, tu veux devenir acteur, c'est ça? Ah, d'accord, il veut devenir acteur. Oui. Ah, pardon, oui, excuse-moi, Gatien. Il veut devenir acteur, en fait, et donc du coup, il c'est veut. C'est qui ce Gatien, là? Il va te prendre tes films, mec. Non, mais je sais pas quoi lui dire. Enfin, il fait quelque chose, tu fais quelque chose en rapport avec le 7ème art. Qu'est-ce que tu me prépares? Non, il y a rien. J'ai tellement pas confiance en moi. Mais je te jure, mec, il y a rien. Il veut juste te poser des questions, c'est un auditeur qui écoute l'émission. Et donc justement, tu nous disais aussi que tu voulais savoir comment on fait pour devenir acteur. En gros, s'il faut faire des cours comme les cours Florent, des trucs comme ça. Bah, t'es pas forcé de le faire. Absolument. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit absolument. Est-ce que Gatien est français? C'est français, mais il vient du sud. De française. Ah mais c'est vrai. Je pense que tu peux faire des cours, mais tu peux aussi ne pas en faire. Mais toi, t'en as pas fait, Paul? T'as pas fait des cours Florent? Ah non. S'il y a une chose à pas faire, c'est bien ça. Ah pourquoi? Mais pourquoi? Bah, parce que si tu veux, les cours Florent, c'est un peu une usine qu'on fait de pré-comédiens. Donc c'est vraiment n'importe d'accord. quoi. Enfin, moi, je conseille pas. Je sais pas s'il y a des gens qui y sont. En gros, ça les modélise trop dans un modèle trop. Ouais, c'est l'usine, quoi. C'est une usine. Ça, c'est, ok. Je vais pas là-dedans. D'accord. Mais donc, tu faisais du théâtre quand même avant. Enfin, j'ai fait du théâtre. Ouais, mais j'étais vraiment dans une troupe d'amateurs qui était très bien, qui était pas dans les cours Florent. C'était vraiment un truc qui me, voilà, très détente. Mais de là à faire des grandes écoles. Et le théâtre, t'en as envie encore ou plus pour l'instant? Et ben, en ce moment, ouais, j'ai bien envie de refaire de la scène, ouais.
j'aimerais bien. Ouais, okay. Ouais. Et t'as des projets qui sont en cours ou... Avec le théâtre, non. C'est, okay. Le théâtre, c'est plus compliqué. Mais, parce que tu sais, tu te bloques pendant une période. Après, tu te bloques pendant 6 mois. Donc, forcément, pendant 6 mois, tu peux pas tourner de film. Et là, faut que tu te rendes disponible. Quoi. Voilà. Donc, ouais. C'est un choix à faire. Et je pense que pour l'instant, je favorise plus le cinéma que le théâtre. Et du coup, sur le cinéma, okay. T'as d'autres tournages aussi qui arrivent ou... Évidemment, tu vois. On va... Ouais, c'était un contrat de confidentialité, quoi. Non, enfin, même pas. C'est juste que tu peux pas trop. Tu peux pas trop. J'ai l'impression de parler avec mon agent quand même. Si tu veux, on signe là. Il y a une feuille. Agent de Paul Bartel, tac, je prends 10%, c'est parti. J'ai des trucs, on verra bien. On verra. Gassien, okay. Tu fais quoi? T'as ton téléphone dans tes fesses ou quoi, frérot? On entend des bruits chelous, mec. Et non, juste, et peut-être il avait une dernière question, Gassien. Ah, Gassien, et après, je pense Gassien. Peut... T'as une dernière question. Comment choisis-tu tes films? Comment tu choisis tes films? T'as un téléphone ripou, hein. Je t'adore, mec. Comment je choisis mes films? Ouais. Ah, une bonne question, en vrai. Comment tu sélectionnes? C'est une excellente question. Ouais. Comment je les choisis? Pourquoi ils posent des questions comme ça? Est-ce qu'il y a des scènes où t'es peut-être pas à l'aise avec et tu dis non, je fais pas parce que par exemple il y a des scènes nues où je ne sais pas. Oulala, non, ne rentrons pas là-dedans. Non, en plus, t'as fait des films. Est-ce que ça existe ça ou pas du tout quand t'es acteur? Bien sûr que ça existe. D'accord, il y en a qui refusent des rôles, voilà, c'est ça. Toi, tu l'as fait, je crois. Moi, j'ai fait beaucoup trop, enfin, à mon sens, pour mon âge, de scènes telles que celle-ci. Ah oui, non, oui. Mais il y a plein de. Ouais, je suis un peu perdu dans la question. D'accord. C'est vrai que t'as pas envie d'aborder. Ouais, ouais. En tant que pas du tout. Je peux répondre à tout, mais c'était quoi déjà la dernière question? Comment tu choisis tes films, en gros? Voilà, le scénario, je le lis si ça me plaît. Ouais, tout simplement. Ouais. T'es conseillé? Bien sûr, il y a un agent qui travaille avec toi et bien sûr, évidemment. Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques où tu prendrais pas, par exemple, un film où tu dirais non, pas du tout? Ouais, il y en a plein. Il y a plein de raisons. Il y a si moi je le sens pas, si après c'est l'agent aussi qui donne son mot, c'est plein. Ah puis après ça reste du business hein, quelque part. On va pas se mentir. Ouais, bien sûr. C'est faut aussi faire attention à tout ça, mais je refuse très peu de projets, voire même pas du tout. Mmh. Ok, bah merci beaucoup Paul, merci beaucoup Gassien pour tes questions. Par contre, je pense, bon là on n'a pas encore le budget, mais je t'enverrai bien un nouveau téléphone. Salut poto, merci beaucoup de nous avoir appelé. Dans quelques instants, les amis, on joue au tu réponds ou tu prends. Je vous raconte pas les règles tout de suite, mais vous allez voir. Ça va être gonnerie. A tout de suite sur BL, les amis, très content de vous retrouver. Il y a Gaëtan qui est là, ouais. Yannick, ouais. La belle française, hi, hi. Et notre invité Paul Bartel, merci d'être là poto. Hi, hi. Alors, là vous faites les oeuvres les gars, mais je vous ai préparé les oeuvres. un jeu incroyable, enfin un jeu incroyable dans la dégueulassitude. Est-ce qu'on peut rendre à César ce qu'il y a à César quand même, Matt? Parce que je vous ai préparé un jeu incroyable. Le tu réponds ou tu prends, c'est un vieux jeu qu'on faisait dans une ancienne émission qu'on avait. Et d'ailleurs, on l'avait testé avec Paul Bartel, notre invité, en premier, je me rappelle. Et en off, qu'est-ce qu'il nous a dit, Paul? Absolument pas, c'était une très bonne idée. Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails? J'ai dit en off que j'avais eu une diarrhée inconditionnelle. Parce qu'on avait mangé du piment. Bref, là, aujourd'hui, c'est pas du piment. Le concept est très simple, hein, je vous l'explique. En gros, le tu réponds ou tu prends. Tu veux peut-être que j'explique le jeu crée ou tu vas y arriver? Le tu réponds ou tu prends, c'est très simple. C'est on pose une question à Paul, un peu dérangeante, voilà. Soit tu réponds. Un peu dérangeante. Soit tu réponds. Soit tu réponds et on mange de la sardine. Ouais. Soit tu réponds pas et tu manges de la sardine. Mais faut savoir, c'est juste une sardine que t'as mis dans une assiette ou t'as mis... C'est une sardine que j'ai mis dans une assiette. Alors je vais vous dire la vraie histoire de cette sardine. Faut savoir que j'adore les sardines, donc alors, si tu veux je les mange toutes. En fait, si vous voulez, aujourd'hui je vis dans un appartement qui appartient à mes grands-parents et ces sardines étaient déjà là il y a 4 ans quand non, c'est pas une blague en plus. Sans les gars, je crois qu'elles sont périmées. Non mais quand même. Regardez la boîte, On mange pas ça, frère. Non. Il y a un peu de poussière et tout. C'est pas de la vanne. C'est ce que t'as fait la dernière fois quand il y a eu des diarrhées. C'est pour ça. Quoi? C'était périmé. Dans la boîte. C'est pas moi, c'est Paul qui a eu la diarrhée. C'est quoi la date? Bref. Mais celle-là, elle est même pas ouverte. C'est l'autre qui est ouverte. Tu peux pas regarder. 86. Putain. Oh merde. Bon, tu l'as acheté à Continent. Ça existe même plus Continent. C'est vrai. Figure-toi qu'elle est encore bonne. Non mais celle-là est ouverte. C'est l'autre. Ah. En tout cas, c'est parti. Gaëtan, pose ta première question à Paul. Ouais. Alors moi, j'ai une question, Paul. Est-ce que tu pourrais choisir entre Kev ou Sami Seguir? T'as tourné avec les deux acteurs. Kev Adams, Sami Seguir. Carrément, je choisis Sami Seguir, ouais. Ah ouais. Oh, putain, c'est nous,
prend tous là du coup. Ah ouais, merde. Bon, ouais, bah, bonne app. Allez, française, en plus, on a donné la plus grosse avancée. C'est pas mal comme question. Hein. Je m'attendais pas à ça. Allez, travailler ta question. J'ai cherché un petit peu. Ah, les gars, je déteste le poisson. Bon appétit, les amis. J'ai mangé ça. Ouais, si vous nous regardez sur le Facebook Live, vous voyez attends, que. Attends, voilà. Vas-y. Attends, je peux le remettre dans la tête là? Tu peux le remettre dans la tête là? Bah bien sûr, vas-y, fais-le si tu veux. Bah, tu sais quoi? Non, pose ta question à Paul avec la sardine dans la bouche. Est-ce que tu préférais tourner pour le... Ah, c'est dégueulasse. Non. Ah là là, française, quand même. Hey, come on. Est-ce que tu préférais tourner, c'est sérieux, hein, pour le film le pire de l'histoire, mais tout le monde, ou est-ce que tu te retrouverais dans un film porno? Ah non, je fais le pire film de l'histoire. Non. Ah là là, merde, mange. Bon, attends, je vais la voir sur ma petite question, tu vois. Putain. Ah non, arrête, bon les gars. Hey. Bon appétit, les amis. Ouais, bon appétit, super. Yannick, t'as une petite question ou pas? Oui. Vas-y. Il va pas répondre, ça, j'en suis sûr. Vas-y. T'as touché combien pour faire la série Ben? Allez, là. Eh bah, figure-toi que je vais te le dire. Non. Non, évidemment. T'es pas obligé de tout manger, il y a d'autres questions. La seule question que je sors, c'est est-ce qu'ils sont vraiment avariés, ces trucs-là? On regardera la boîte après. La diarrhée ce soir. Non, ça va. Eh bah, figure-toi qu'elles sont même plutôt pas mal. Ok. Moi, j'ai une petite question aussi. Si tu devais coucher avec un... T'es hétéro, hein. Si tu devais coucher avec un homme, ça serait qui? T'es obligé de balancer un blague. Avec un homme? Ouais. Mais je ne dois pas coucher avec mais un homme. Mais c'est ça. Non, mais dans ce cas, tu manges. C'est soit tu réponds, soit tu manges. C'est le jeu. Bah non, bien sûr que non. Ok. Gaël, t'as une autre question? Ouais. Comme t'es acteur, est-ce que tu sais pleurer sur commande? Non, pas du tout. Ah bah, faut manger. Faut manger là. Là faut que je mange. Ouais. C'est vrai que c'est difficile quand même de pleurer sur commande. Ouais, je sais pas faire. Attends, je vais essayer. Attends, je regarde la caméra. Non, mais Matt, on fait de la radio, donc si tu ne parles pas, ça va être. Pour ceux qui auront l'image, d'ailleurs, il y aura les extraits sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir les vidéos après. Bon, c'est déjà rediffusé en live sur Facebook et sur VL tout simplement. France, c'est une autre question. Yes, okay. So, your worst heartbreak. Quoi, tu peux me le traduire ou pas? Ton... Moi j'ai rien compris. La rupture, non? La rupture, ouais, la pire rupture. Ton pire break-up, like ton pire brise de cœur. Waouh, mais tu. Elle est trop choupie, t'es obligé de répondre là. Ton pire brise de cœur. J'en ai. Ma maison. Allez, bonne app, mon pote. Yannick, allez, dernière question chacun. Dernière question, c'est parti. Si tu devais choisir non, la personne que tu ne pouvais pas blairer lors du tournage de la série. S'il y avait une personne que tu ne pouvais pas blairer, c'est qui? S'il y avait une personne que je ne peux pas blairer, bah, je vais manger. Alors, tu à moi. Une dernière, Matt. Ouais. C'est quoi ton plus gros complexe? À moi. Ouais. Je me qualifierais de complexe déjà moi-même. Donc c'est tellement un enfer dans ma vie, j'ai tout moi. Ah ouais? Ah ouais? Tu es le complexe. Et on m'avait dit qu'avec ce métier ça t'aiderait, et en fait soit ça t'aide, soit ça te descend encore plus. T'es encore plus complexé, ah ouais, quoi. C'est un enfer. Mais t'as pas genre une partie, enfin un endroit, que ce soit psychologique ou physique, où t'es vraiment ton complexé, échappe. Genre. Ouais. Mes bras, mes jambes. Ouais. Mais justement, c'est pas dur du coup de se regarder, parce que du coup je suppose que les films tu les regardes, ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Bah c'est dur, ça dépend de ce que je fais surtout dedans, ça dépend de comment je suis, ouais. Mais c'est jamais très. C'est jamais très cool de se voir sur un grand écran et de dire tiens, c'est vrai. Mais moi je vais vous dire, quand je fais mes vidéos, genre j'aime pas me regarder mes vidéos après. Et bah moi j'aime pas te regarder quand tu fais. Tarba, et tu sais quoi, je t'ai fait bouffer une sardine, ça me fait plaisir. Quoi, des fois la nuit, tu sais quoi, je te fais un aveu. La nuit, quand j'arrive pas à dormir, des fois je vais regarder les vidéos de Matt Podcast. Oh. C'est une vanne, non, c'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Putain, il y en a plus beaucoup qui font ça. Merci beaucoup, mec. Bon, bah du coup, on peut manger la sardine. On mange. Merci Paul d'avoir joué le jeu de ouf. Donc dans quelques instants, les amis, je parle avec de la sardine dans la bouche. Vous voyez pas, mais c'est assez horrible. Heureusement qu'on peut pas transmettre l'haleine par le micro.
Pour tous ceux qui ont des rêves plein la tête, les amis, il faut que vous restiez avec nous, parce que dans quelques instants, on va avoir un débat, un sujet voilà, assez intéressant, je pense, sur le fait de vivre de sa passion et de vivre sa passion. Je pense qu'on a tous un petit métier qui nous fait rêver ou quelque chose qui nous fait rêver. Les amis, on est de retour sur VL, les amis. Je m'appelle Matt, on est là, c'est la première de 15h à 16h. Il y a Frances qui est avec moi tous les mercredis. Hello. Gaëtan. Ouais. Yannick. Hello. Ah non, ça marche pas avec moi. Il y a Paul Bartel qui est notre invité, merci. Salam alaikum. Balaikum salam. Alors, il y a plein de questions sur Twitter, les amis. Il y a Maxime29 qui fait, c'est quoi la première chose que tu fais au réveil, Paul? La première chose que tu fais. Mais là, voilà, mais là j'ai vu ton regard, je sais, mais. La première fois que je fais, je crois que je vais aux toilettes. Ah ouais? Ah ouais. Ah moi je vais sur Twitter, genre, sur mon téléphone portable, c'est la première chose que je me réveille. C'est quand même vachement triste ça. C'est... Oui, mais. Réveille-toi, va faire un bon gros cake déjà. Ah mais d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ça peut. Ouais, tu fais quoi toi en te réveillant le matin? Elle va faire un gros cake. Moi je vais aux toilettes. Tu vas aux toilettes, d'accord. Faire un bon gros cake. Française. Un bon comme... gros cake. Ah ouais. Ah j'adore. Il y a Lola tiré du bas ZT qui fait au McDo. Tu es plutôt frites ou potatoes? Potatoes complètement. Moi aussi. Ils font un mix maintenant, vous avez pas vu? Non. C'est frites et potatoes. Ah ouais. C'est fini, c'était jusqu'au 2 ou 3 avril, je crois. Ah bon? Ouais. Ah, mais non. Expert du McDonald's. Ah ouais, bah, grave. Bah les gars, je faisais 60 kilos de plus il y a moins de 6 mois. Oui. Et une dernière question aussi, il y a XMarine83 du Var comme Yannick. Oui c'est vrai. Voilà. Mais... qui dit quel est l'acteur avec qui tu as pris le plus de plaisir à jouer? Béatrice Dalle. Béatrice Dalle. Ouais. C'est classe en tout cas, on dirait de Béatrice Dalle. Ouais. C'était dans quel film, excuse-moi? Dans Punk. Dans Punk, ok. Ouais, ouais, ouais. Et bah, on ira le voir. Moi, je l'ai même pas vu, j'irai le voir. Je le regarde ce soir, j'ai noté. Non, sans rigoler. Bref, en gros, j'avais envie juste qu'on discute chacun entre nous de nos anecdotes de quand on a commencé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui nous a fait le déclic, comment on. Enfin, voilà, plein de conseils pour ceux qui nous écoutent et qui veulent devenir acteurs, chanteurs, ou des métiers un peu qui paraissent un peu sur. Mais même genre pilote d'avion, tu vois, ça peut être un rêve, ça peut être un truc de ouf, pilote d'avion, est-ce que tous les métiers, tous les métiers. Y arriver, quoi. Voilà, c'est ça. Alors toi, Frances, c'est quoi? Comment t'as commencé, toi? J'ai commencé à chanter quand j'étais petite, et quand je l'ai pris sérieusement, c'est quand j'ai fait la American Idol. Okay. Ah. C'est la nouvelle star là-bas, en fait. Ouais, c'est la nouvelle star là-bas, et c'est quand ils ont eu Jennifer Lopez et Aerosmith, Steven Tyler, le mec qui chante de Aerosmith. Okay. Et du coup, j'étais sur scène, et quand j'ai fini de chanter, Steven Tyler, il m'a dit « Tu chantes comme une ange. » Oh. Et quand il m'a dit ça, j'étais contente. T'as pleuré? Ouais. Non. Oh là là. Non. Menteuse, je suis sûre que t'as pleuré. Non. Ouais, c'est trop choupi. Mais voilà, ça, c'était un peu le début pour moi. Ça a été le déclic, quoi. Ouais, et après, j'ai fait la nouvelle star. En France? En France. Et je voulais pas le faire, mais les gens, ils m'ont dit « Fais-le, ça sera cool. » Et je suis arrivée jusqu'au dernier 10 au Prime. Ouais. J'ai beaucoup appris, en fait, tu apprends des choses qui sont d'un autre côté un peu plus sérieux, c'est pas si joli que tu penses au début. Et du coup, moi, my advice, moi je dirais qu'il faut être prêt à être rejeté. Ouais, c'est vrai. De toute façon, ouais, il faut persévérer et tout. On viendra à toi, Paul, après. Hein. Je fais un peu un tour de table. Toi, Gaëtan, toi, t'es DJ officiel sur une des plus grosses radios nationales, Virgin Radio. C'est ta passion depuis tout petit aussi. Ouais, carrément, c'est une passion. Après, je pense qu'elle a raison. Faut pas faire attention à ce que les autres disent. Ouais. Faut voir ce que t'as envie de faire. Faut y aller. Faut un peu prendre tous les chemins. Faut se faire des contacts. Et au final, je pense, petit à petit, ça arrive et tu montes des échelons, des étapes. Il y a une phrase qui dit « Tu fais ton truc ». Tu les emmerdes, c'est comme ça, pas autrement. Voilà, c'est facile à dire. Après, faut ouais, voilà. Bien sûr, c'est le faire. Faut provoquer tout ça, faut avoir un peu de chance aussi. Il y a un peu de tout, quoi. Et persévérer. Et toi, Yannick, du coup, toi, t'as toujours voulu travailler dans les médias, quoi. Ouais, moi, depuis l'âge de 6 ans. Après, voilà, j'ai fait des rencontres qui m'ont apporté, m'ont apporté ce métier. Tu vois, j'ai rencontré Cyril Hanouna, j'ai eu la chance de faire TPMP, je fais un peu de télé à côté sur notre People. Mais raconte un peu avec Hanouna, parce que quand t'étais petit. Avec quand j'étais petit, je l'avais rencontré. Il m'avait dit, oui, t'inquiète, tu bosseras avec moi, je te signerai un contrat. Mais il m'avait dit ça comme ça, comme tu peux dire ça à n'importe quel enfant. Du coup, moi, j'étais rentré chez moi dans le sud. C'était ton premier employeur, en fait. C'est ça. J'étais rentré dans le sud. J'ai dit, vous allez voir, Cyril Hanouna, ça sera mon premier employeur. Je suis monté sur Paris et j'ai eu la chance, c'est devenu directement mon producteur à l'époque sur Virgin Radio avec Enora, et c'est parti comme ça. Donc c'était incroyable. Ouais. Mais comme quoi des fois quand tu veux tu peux quoi, c'est con mais c'est vrai. C'est ça. Gaëtan ? Non, clairement, c'est okay. Excuse-moi. Alors toi, Paul, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts ? Comment t'as eu envie d'être acteur ? Comment ça s'est passé pour toi ? Moi, j'ai commencé le théâtre, j'étais jeune, et je voulais pas forcément être acteur, je voulais faire un peu de théâtre, parce que c'est bien de faire du théâtre. Genre vers quel âge ? Je sais pas, vers 10 ans. Ah ouais ? 10 ans. Ok.
Et après, en remontant à Paris, j'ai rencontré un agent par hasard qui m'a dit que ce serait bien que j'aille la voir dans son agent, chez elle, et qu'on discute. Et ça s'est fait. Et puis ça a débuté comme ça. Beaucoup plus de chance qu'autre chose. Hein. C'est vraiment de la chance. Okay. Mais en fait, le truc qui est commun à tous nos métiers, j'ai l'impression, même s'il y a le talent, le travail et tout, c'est quand même la chance. On va pas se mentir. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et ça serait, et on mentirait aux jeunes si on dirait, les gars, si vous avez pas de chance, ben, faut avoir la chance. C'est faut vrai, la provoquer la chance, tu vois. Je pense qu'il faut la provoquer. Faut avoir la chance. C'est-à-dire que tu peux pas rester dans ton canapé et te dire, tiens, je vais avoir de la chance. Et voilà. Moi, vraiment, pour le coup. Non, mais c'est vrai. Les gens, ils soient quand même. Il va falloir expliquer qu'il faut vraiment provoquer le truc. Si tout ce que tu fais, ça vient du cœur, que t'as envie de le faire et que voilà, il y a une phrase de Xavier Dolan qui dit : je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Pour moi, c'est exactement ça. Tu vois, il a tout résumé. Il a dit ça à Cannes, je crois. C'est je ça. Sais pas. Ouais, il me semble. Enfin bon, voilà. En gros, toi, Yannick, est-ce que t'avais une anecdote, je crois, avec ta maman ? Avec ma maman, oui. Est-ce que tu peux nous la raconter? En gros, c'est bien. Bah, en gros, c'est juste, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui vont s'identifier à nous. Quoi. Bah, en plus, la maman, c'est la fierté parce que quand tu fais quelque chose c'est et qu'elle ça. Est là et qu'elle le voit, toujours, c'est tu te sens fier. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais en fait, moi, l'anecdote est simple, c'est que ma mère ne voulait absolument pas que je travaille dans les médias. Elle me disait, ouais, c'est pas sérieux et tout. Elle m'a dit un jour, va voir une émission radio. Elle m'a emmené à Paris. Elle m'a dit, est-ce que t'as kiffé? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, bah, à partir de maintenant, tu vas tout faire pour réussir dans ce métier, mais ne me déçois pas et vis de cette passion. Ah, c'est elle qui t'a poussé à le faire. C'est ça, elle m'a dit je vais t'aider pendant 2 ans, je vais tout te payer pendant 2 ans parce qu'il faut savoir que quand tu montes à Paris, t'as pas une thune et ça vaut un bras. Et elle m'a aidé, et puis ça l'a fait. Mais voilà, après voilà, c'est une petite anecdote que j'ai avec ma mère. D'accord. Toi, Frances, t'es soutenue un peu par tes parents ? Ouais. Parce que c'est vrai que c'est important aussi le soutien des parents. Beaucoup. Toi, Paul, est-ce que t'as beaucoup de soutien derrière toi ou tout maintenant est focus, t'es hyper indépendant maintenant ? J'ai eu le soutien de ma mère aussi, bien sûr. Mais j'ai du soutien de mes proches, quoi. Ok. Ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est hyper important. Gaëtan, est-ce que t'as une petite anecdote quand t'étais petit ? Oh, quand j'étais petit, pas trop, mais c'est plus maintenant. C'est vrai que c'est. Comment dire ? Ça fait du bien quand tes parents te disent ouais, on reconnaît ce que t'as fait quand tu mixes à Bercy devant 18 000 personnes, que ta mère est là, c'est fort, tu vois. Tu te dis, mais pas que les parents, il y a aussi les amis, il y a tout ça. En fait, c'est un global qui fait qu'après, on est content. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est si vraiment vous voulez, donnez-vous à fond. On va laisser chacun notre tour un message aux jeunes, je pense que c'est important. Enfin, aux gens qui nous regardent, quoi, tout simplement, et qui nous écoutent. Moi, mon message, c'est simplement, je vais vous dire, moi, j'ai commencé quand j'avais 11 ans, ma mère, elle m'entendait parler tout seul dans ma chambre parce que je faisais de la web radio. Il y avait 2 personnes qui m'écoutaient, j'étais trop content. Après, j'ai fait du YouTube et ça a bien marché et tout. J'ai eu des bad buzz, j'ai eu plein de trucs. On n'a pas arrêté de me rentrer dedans de tous les côtés. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai un truc à dire, c'est que je me laisserai plus jamais faire. C'est-à-dire que je me suis toujours tué, tu vois, quand on me rentrait dedans, que ce soit n'importe où. Maintenant, je fais mes trucs, de toute façon, je suis focus, personne ne m'arrêtera. Et il faut que vous ayez cet état d'esprit, les amis. C'est vraiment, si vous avez envie de faire un truc, vous dites pas que c'est impossible. Tout est possible, vraiment, je pense. Ouais, je suis d'accord, tout est possible, faut y croire. Provoquer la chance, travailler, faut pas l'oublier, et au bout d'un moment, ça marche. J'ai l'impression qu'on est daron quand on dit ça. Non, mais je sais, mais c'est important. J'avais envie d'avoir un petit moment comme ça dans l'émission. Je trouve que c'est important. Toi, Frances, si t'as un conseil à dire aux gens qui veulent réaliser leur rêve. Moi, je dirais, sois toi-même, like, be yourself. N'arrête pas de te rappeler C'est toujours plus classe quand même. Je fais une citation en anglais. C'est terrible. Ouais. Genre, nous en français, c'est genre. Courage. Courage, c'est ça. C'est un truc de malade, ça. Hein. Ouais. Pas oublier qui tu es. Parce que les gens, ils influencent beaucoup. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, Paul, si t'as un conseil à dire aux gens qui ont envie de faire acteur ou n'importe quel autre métier, genre. Qu'il faut être patient et qu'il faut avoir envie, je crois, c'est tout. J'ai vraiment être patient. Vraiment. Ah ouais, la patience aussi, c'est vrai. Je crois que la patience, c'est le plus important. Ouais. Ouais. Surtout quand t'es acteur, c'est vrai que parfois tu dois attendre. En fait, la patience et l'acteur, c'est un peu deux choses qui se marient très bien. Du coup, je parle pour ceux qui veulent être comédien, après pour le reste. Parce que parfois, tu peux attendre entre 2 films plusieurs mois, c'est ça. Ah oui, des fois, c'est insupportable. Enfin, c'est-à-dire que tu te lèves le matin et que t'as pas de but, quoi. C'est ça, quand ton téléphone sonne tout le temps, c'est ouf. Et quand il sonne pas, c'est. Ça doit être l'enfer. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Paul. Yes, vraiment, merci à toi. Trop trop content de t'avoir reçu en première invité de Mathémaclic. Merci à Gaëtan d'avoir été là. Bah avec plaisir et merci à Paul. Voilà, on se retrouve mercredi, hein, Gaëtan. Pareil pour Frances, merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir rencontré et que tu sois dans l'équipe, vraiment. Merci à vous. Merci Yannick. Merci. Rappelons quand même que la sortie, enfin la première, c'est le 11 avril de la nouvelle série sur France 2, Ben. Avec Paul Bartel, entre autres. Voilà. Franchement, c'est une série à voir
C'est ça. Toi, on te voit à partir du 18 avril. Ouais, la semaine d'après. C'est ça. Ouais. Ok. Et bah, franchement, moi, je vais regarder. J'espère que vous regarderez tous. Merci à tous pour vos messages sur Twitter. On n'a pas eu trop le temps de les lire à l'antenne, mais vraiment, on les a lus et ça nous a beaucoup, beaucoup touchés. Merci tout le monde. On se retrouve mercredi prochain de 15h à 16h sur VL. Et puis, bah, d'ici là, on vous laisse avec ça. Matt et ma clique, tous les mercredis de 15h à 16h sur VL.